Donc, est-ce que ça va être The Lost pour Tsukiru ou pas? Keeper qui sera la run 75. En même temps, j'ai pas eu de Keeper depuis tellement longtemps qu'il fallait bien que ça tombe. Ça me l'envoie peut-être au bout d'un moment de l'entretien. Ouais, c'est possible. Ah, mais je veux pas Bumbo. Bumbo, il va me niquer mes... Non, alors Bumbo, c'est non, du coup. Bumbo, c'est l'assurance de se faire chier. Fallait qu'il retombe, mais voilà, j'étais pas prêt. Bon, ce coffre, on verra où je le mets. Bon, bah là, je vous préviens, on va farmer. Hein. Keeper, c'est farm. Hein. Keeper, par contre, faut, je le joue totalement différemment. C'est full farm. Bah, sauf si je trouve un Tech Kicks là, mais bon. Je vais me focus un peu plus aussi sur le jeu, donc je verrai moins. L'enquête de satisfaction, c'est les RH, alors que la réponse, c'est... Oui, c'est ça. Même si c'est souvent les RH qui donnent la réponse. En fait, je pense qu'ils ont, ils ont dû décider, mais ils n'ont pas encore décidé de me contacter, parce que bah, c'est les gens qui travaillent à côté, donc c'est normal. Ils prennent leur temps. J'ai laissé toutes les pièces dans l'étage, au cas où... T'avais parié sur Keeper? Putain, j'avais pas vu. C'est toi qui m'as cure cède là? En vrai, c'est mon deuxième Keeper depuis le début de la streak. Hein, donc, la streak jusque-là était complètement blessed. Je déteste les feux qui sont rouges. Je vous dis, hein, full safe, moi, y a pas de souci. S'il faut mettre 8 ans pour les tuer, je mets 8 ans pour les tuer. 8 ans, c'est pas grave tant que je prends pas de dégâts. Okay. Du coup, je vais aller au magasin, voir s'il y a des trucs à acheter, vu que j'ai quand même des pièces dans l'étage. J'ai vraiment laissé toutes les pièces par terre. Bumbo, je pense que c'est une mauvaise idée. Okay. J'ai claqué ma bombe, par contre, du coup, rip le coffre là-bas. Et on va aller faire ce boss. Monstro. Une pièce. Pour l'instant, l'actif est généreux. L'actif est généreux là. Tue-moi cette ad là, merci. Ok, bon, Monstro, c'est pas le pire boss de départ. Si j'avais tombé, si j'étais tombé sur Ragman là, ça m'aurait plus fait chier. Ragman violet là, Ragman vénère là. Ou même double Monstro, ça aurait été pire. Hein. Bon, évidemment, double c'est pire que 1, mais. Magic Poche. Non, mais c'est bien aussi. Keeper, yep, second keeper of the streak. Bombe en solde. Hein. Finally? Why? Why? Why like this? Je vais quand même continuer à roll le magasin, hein, parce qu'il y a des trucs trop pétés, donc... Ok, let's go. Good stuff, yeah. Good start. The Bumbo was in the item room and I don't want Bumbo. I think Bumbo will mess me up. Ok, pour des bombes là, je peux me faire plaisir. La machine de don du sang, je sais plus comment ça marche, la machine de don du sang et Keeper, est-ce que j'ai le droit ou comment ça se passe? Ou est-ce que ça sert à zéro? Hmm.
tu vois. Use the coin, yeah. Sure. Ça me donne les pièces, on est d'accord, donc t'as le droit au farm infini. Parce que moi je veux bien le speed up, hein. Si la machine me donne un speed up un moment, je suis pour. Hein. Parce que si tu farm à l'infini, tu peux avoir le speed up, donc. Même si tu sors avec 0 pièces en plus, moi sortir avec un speed up c'est oui. Hein. Même si là je commence déjà avec un speed up. Est-ce que c'est 100%? Ah oui, d'accord, est-ce que tu peux te faire baiser? C'est possible, hein. Comme Piggy Bank par exemple, c'est pas 100% quoi. Il y a vraiment que le trinket qui fait le taf. C'est pour ça que je garde mes bombes, parce que là quand il y a des pots et tout, c'est très rentable. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse plus gaffe, hein. Quand je rentre dans une salle comme ça, là, c'est pas bon. Faille mourir. Là par exemple, il y a moult pots là. Il y a vraiment moult pots. On va aller péter ça là. Je pense que le mieux c'est de mettre là-haut pour péter les 6. Zodiac, ça peut troller aussi. Putain, j'ai pas des bons objets. Hein. Shark plug is a mistake. Why? Would I die from using that? Recharge from one coin? Okay. Alright. So I should take it. Alright. Ça manque des mots dans le chat. Là, c'est Keeper. Hein. Keeper, ça a calmé tout le monde. Hein. Pick up coin early. Cause I could farm the sack room. Huh. You smart. I'm not smart. You did Keeper, that's true. Ah, c'est une mauvaise salle pour Agalas d'ailleurs, parce qu'il y avait la salle avec les pots qui étaient mieux ici. Ok, j'ai une pièce pour le boss, c'est toujours pratique de le savoir quand même. Même si je veux pas de Devil Deal aussi, à moins qu'il y ait Judas Shadow, je vais quand même essayer de pas le perdre, parce que sinon ça proc pas les Angel Deal. Ok, du coup, Sacrum ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque fois, je fais la même connerie. Ouais, j'ai quand même pas mal de pièces. Ah, par contre, le truc chiant... Je vais sacrifier une bombe pour me faciliter la vie, là, parce que sinon, ça va me faire chier. Je sacrifie une bombe pour pas passer par la salle avec les pics moches là. Serpisper. Faut que je compte parce que j'ai pas spécialement envie de faire les anges non plus. Je suis à combien là? 3, 4. Ça doit être la quatrième. 3. Donc 4. Merci. Il faut que je m'arrête avant 8, c'est ça? Je pourrais pas faire 8 de toute façon. Normalement, je vais pas pouvoir faire 8.
Il me reste une pièce. Il me reste une pièce. Oh, you did messenger. I did some messenger. That's a great game to speedrun. But it was a past only, I think, something like that. Est-ce qu'il y a une bombe au magasin? S'il y a une bombe au magasin, je peux aller tout en haut dans ma salle d'arcade et péter le truc. Péter les trois trucs là. On va faire ça. Alright. S'il met une bombe genre là, là. Parfait. Parfait. Eight bit. Nah. No, no, it was to the boss. The first main story arc, I don't know. Like it was past only. Boom le keeper au shop, ouais. Il y a des chances qu'il me donne 5 pièces en effet. Doom. So 8 bits. Oh, it's 8 bit only. Yeah, okay. Doom. Defeat the Tower of Time. Yeah, that's where I stopped. Yeah, exactly. Doom. Très bien. Bon bah voilà, on a farmé. On a farmé, on s'est amusé, on se casse. Mais j'aurais récupéré des bombes et des trucs. Et du coup, ouais, non, Hades, faudrait que je tente un peu, mais... Hein. Je vais tenter de péter un truc, je vais me garder des bombes quand même. The time? Oh, I don't know, like 37 or something like that. 35 maybe? I have a website where it's noted. Because it was a practice for 10 games in a row. And so I practiced 10 games. And Messenger was one of them. Nice luck up là. Est-ce que je veux augmenter ma luck avant? Je suis pas sûr. Je sais pas si ça change quelque chose de augmenter la luck maintenant ou pas. Je déteste ces salles par contre là. Putain, surtout eux là. Qui te foncent dessus là, bien relou. Okay. Faut pas que je ramasse les pièces aussi. Putain, je suis un con hein. You hate keeper? Everybody does. If about to finish the hard completion marks. Yeah, good luck with that. Keeper is annoying. Ah putain. Do I actually want piercing future? Or do I want to keep the knockback? I think that's not that easy. Decide. Kind of think I want a knockback. C'est si je prends le piercing, je repousse plus les ennemis. Et ça peut être très pratique de repousser les ennemis. Donc j'hésite. Après le piercing est aussi très pratique. Donc c'est chiant. Justice c'est une carte qui me permet de me sauver la vie. Donc je vais la garder. C'est une carte qui donne une pièce. Donc c'est une carte que t'as envie de sauvegarder pour plus tard. Doom.
Ok, j'ai encore moult argent du coup. Qu'on va laisser hein, à l'infini. Casser tous les caca. C'est vraiment ça. Ça va être la run de l'ennui, hein, je vous préviens, mais en même temps c'est Keeper. Donc tant que j'ai pas du stuff, ça va être la run de l'emmerdement. Et là, le stuff, ça a pas l'air d'être trop ça. J'ai eu Grosseur Mode quand même, qui est déjà un excellent objet de départ parce que c'est speed up, dommage up. C'est un très très bon moyen de commencer la run. Ensuite, c'est surtout le trinket qu'on veut, le trinket qui donne des pièces, il est full safe. Ou après, bah, casser le jeu, quoi, hein, la classique. Hein. Le cassage de jeu est toujours agréable. Doum. But yeah, I was wondering what you would do future. J'ai pas trop l'habitude des keepers en vrai. Hein. Je demande au maître des streaks. J'ai pas mal de bombes, il faudrait que je trouve ma secret. La secret peut pas être là du coup a priori. A priori, elle est plutôt planquée donc. Ceux-là, là, les tourelles de Flooded Caves, elles sont bien casse-couilles. Hein. Ok, j'ai pas de sacrum. Donc je peux prendre mon argent. Au moins un petit peu, quoi. Je suis pas obligé de tout prendre. Mais... pour éviter de refaire de demi-tour. Le piercing, on a dit bof. Le magasin. Fanny Pack peut me sauver la vie, je pense. Il y a des situations où Fanny Pack il peut te donner bah, des pièces. Donc je pense que c'est ok. What's in the challenge room? Let's check. Oh. Le lock-up, par contre, à mon avis, il est intéressant de prendre. Faut laisser quelques pièces du coup. Challenge room is one chest. C'est des challenges faciles hein, pour l'instant donc je me permets. Je suis pas hyper serein mais je suis quand même confiant sur ces challenges de base là. Et du coup, vous voyez le fanny pack là qui va quand même me permettre de remonter. Je sais toujours pas où est ses secrets et je vois pas quel spot est le plus pratique. Le spot à secret là, il est là. Mais c'est bizarre. Je pense pas qu'il soit là-haut. Ah, il est à côté de l'item room, je pense. C'est ça mon erreur. Stain. J'aime pas les boss qu'on voit pas, putain. Voilà, tu tournes et tu te le prends dans le cul. Oh putain, j'ai failli, hein. Arrête de spawn des trucs, putain. Casse-couille man. Casse-couille man. Arrête. Arrête. Putain, je me fais toucher à la fin. C'est si triste. Pourquoi j'ai utilisé mon actif, je crois. Ah, let's go. Ah, j'ai pas le droit à la pièce, tiens. Du coup. Curse of Darkness. Oh putain, mais non, mais pas cette salle de mort, là. Ok, ça va. Au moins, c'était pas 4 araignées comme ça. Hierophant, c'est des mouches. C'est pratique pour défoncer un peu certaines salles aussi. J'ai pas utilisé mon activable. Faut que je me remette comme il faut. Le petit état d'esprit de Keeper. Toum.
pas le moment de perdre le deal, hein. 60%, là j'aimerais bien avoir mon angel deal. Heureusement qu'on a de la range aussi en vrai. Hein. Ça joue, hein. Ça joue quand même. Hein. Le deal. Have seen a coin not picked up? Yeah, I don't know why I missed that one. J'ai enfin tous les persos, je me suis fait violence à faire le grid mode GG. Solide. Bon, du coup j'ai vraiment perdu mes chances de deal, ça m'ennuie. Moi je suis pas mort. Ça c'était la salle du décès. Hein. Là la pièce a été mal placée. Hein. Déjà j'ai utilisé mon objet après m'être fait toucher, ce qui est stupide. Ouf! 10 pièces. Cassez-vous. Les explosifs là comme ça, ils sont vite casse-couilles. Hein. Oh, les bois finis. On va tout bomber. Hein. Je suis Keeper, on va être cette personne qui bombe tous les cailloux. Je vous disais, hein, Keeper, je vais jouer différemment. Et là, il n'y a plus de peau. Évidemment, maintenant que j'ai les bombes infinies, je vais pas avoir de peau. Normal. Chercher ma super secrète aussi. Je pense qu'elle doit être là. Non. Bon, j'ai tout vu. J'ai tout pété ce que je voulais péter. Je vais quand même pas aller à mon item room tout de suite. Ça, c'est assez obvious par contre. J'ai des pièces qui traînent. On va attendre encore une fois de voir s'il y a une sac room. D'ailleurs, on peut utiliser les bombes pour. Oh yes. Oh, c'est top. On peut utiliser les bombes pour se mettre bien sur les combats. Magic Mush, il va me mettre bien aussi. Hein. Speed up en plus, oh yes. C'est si bon. Alors j'imagine qu'on peut le garder pour se soigner aussi, mais là, c'est... À mon avis, ce serait quand même stupide. Hein. Le jeu est gentil, ouais, là, le jeu m'a donné ça, c'est cool. Hein. Secret room ici, ok. Ça m'augmente un peu mes chances de deal, mais bon, c'est pas trop ça. Je continue à péter les champis parce qu'on peut avoir Minimush. Minimush qui est intéressant aussi. Hein. C'est aussi du speed up. Plus je peux avoir de speed, mieux je me porterai, je pense. Pour être full safe. Tu peux avoir Blue Cap, non. Tu peux avoir Mini Mush ou Magic Mush dans les champis, là. C'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal, en vrai. Ok. Can I explain when health adds up a coin to keepers to the health, when it doesn't? When I don't have health anymore? It adds up. If there is something to refill, it refills. If not, then I get a coin hop. Trinket, il m'intéresse pas trop. Le trinket qu'on veut avec Keeper, c'est vraiment
Le keycoin là, le... La pièce de monnaie qui fait quand tu fais toucher ta... C'est... Avec cette pièce là, c'est extrêmement rare de pas avoir une pièce justement. Why isn't there a way to make your... There is one way to make your HP going more than 2 hearts. And that's by getting Grid Scarlet, but that's a pretty rare item. Otherwise, you will never have more than 2 with Keeper. You need the Grid Scarlet, that's the only way. Allez, on va faire l'item room, je vais prendre toutes les pièces et puis on va se casser. Les ciseaux c'est super fort mais c'est pas safe. Donc c'est non, je vais juste prendre le pognon et on va avancer. Donc là la justice, ce qui est bien c'est qu'elle va me donner 2 pièces normalement. Donc c'est plutôt bon plan pour être tranquille. J'ai trouvé ma super secret. Donc je vais juste finir d'avancer de cet étage. 30 balles. Je veux pas spécialement le trinket des bombes. Le store kill est bien en vrai. Enfin, les deux sont ok. Hein. Il y en a un qui t'économise des clés, il y en a un qui te donne des bombes. %23, est-ce que je vais avoir mon Angel Deal ou pas? Ce serait cool. Tears Up c'est bien aussi. Ok, on est parti. Ouf, bon, ça s'améliore. On est un peu mieux là. Dans ce genre de salle de mort, c'est chiant. Voilà, j'ai reperdu mon deal. Là, fallait bomber, je pense. J'ai fait le con. Bah, c'est bien comme ça, j'ai pas la pression. Première salle, je me fais toucher, je perds mon deal. Ça, c'est réglé. J'ai plus la pression du level deal là. Que la pression de la survie. Hein. C'est con parce qu'avec les level deals, c'est vraiment le meilleur moyen de se mettre bien quoi. Après les magasins peuvent être utiles mais y a rien de full pété. Merde, ça m'a utilisé mon coin dans une autre salle. J'ai le maze, il faut que je fasse gaffe. Bon déjà quand même avec le Magic Mush on se met bien mais... Tout de même, méfions-nous. Parce que ce genre de salle là, les ennemis qui pop au cul on les connaît. Hein. C'est pas grave, on va continuer le farm. On va continuer à chercher les sacrooms aussi, j'avoue que ça c'était bon plan. C'est pour ça qu'on va full clear les étages, je pense. Si on va partir à la recherche des sacrooms, c'est une bonne idée. Et vu que j'ai moult argent, les magasins, et on va essayer de casser le jeu. La pièce dans la porte, je peux pas trop faire grand chose à part ne pas la placer là en premier lieu. Désolé hein, si je parle un peu moins dans ce genre de run. Mais putain, là par exemple, j'ai fait un peu l'idiot. Toujours ma justice si vraiment je me fais défoncer, mais sur cette salle, ça devrait aller. Faut pas que je claque le penny direct en fait. C'est une erreur de ma part. Je vais aller trop vite et c'est... faut pas aller trop vite avec Keeper. Deep Pocket. Il n'y a pas de choses très intéressantes là.
Cette bombe, c'est plutôt fort. Mais il faut des bombes. Pour l'instant, j'en ai 16, mais voilà, il en faudra plus. Poui, poui, poui. Plutôt un bon objet, cela dit, hein, quand même. Faut que j'arrête de prendre les pièces aussi. On a dit, si y a Sacroom, c'est GG. Je suis pas dans un XL là. Non. Ah mais c'est un maze. Souvent les mazes ils sont plus grands, non? Je crois qu'il y a une embrouille comme ça. Souvent les mazes sont en plus des grands étages. Le boss s'est vu. Pas de Sacroom en vue. Après il me restera un magasin derrière, ce qui est un peu triste. Ça m'a TP à l'autre bout là. Je vais voir la challenge room quand même. Et puis la petite salle qui est en bas à gauche. Faudra prier pour que le dernier magasin soit bon, je pense. Ça m'intéresse pas parce que. À part peut-être un Dead Cat. Y'a rien que je veux là. Une carte. Une carte sympa là. Era Walk. Era Walk, on s'en fout, je dirais. Era Walk, c'est une invincibilité, je crois. Donc, ça peut être pratique si t'as un mendiant ou un truc comme ça. Putain, quel connard. Le maze qui m'a trollé là. Putain. J'avais déjà perdu mes deals, hein, donc c'est pas trop le problème, mais c'est plus. Ennuyant, on va dire. Chercher la super secrète aussi. Malédiction de mort. Faudrait que je laisse une pièce devant mon boss au cas où, voilà, par exemple là. J'ai pas eu de proc d'item. Il faudrait que je laisse une pièce derrière, vraiment, si jamais le boss me touche et que j'ai pas le soin. Mais que j'arrive quand même à m'en sortir. Même si quand je le bute, il me relâche une charge d'objet. Mais voilà, c'est vraiment si jamais le double charge donne rien. Wafer, ça marche pas. Donc je vais prendre Dead Dove. Et en vrai, c'est pas si mal. Les ennemis sont slow. En vrai, ça peut être pratique, mais c'est pas ce que je voulais. Ok. Bon, Spectral, c'est bien. Spectral, c'est pratique. Il y a plein d'endroits où ça sert à rien, mais il y a plein d'endroits où ça sert à quelque chose. Curse of the Unknown. Bon, bah, j'ai deux cœurs. Hein. Là, par exemple, Dead Dove fait déjà effet. Full save dans cette salle. J'ai pas utilisé mon actif. C'est dommage. On retourne dans les pics là. Voilà. Ceux-là, on peut les pousser là. Va te faire piquer. On a une petite musique détente. Hein. Il y en a qu'un. Hein. Ouais, qu'un. Okay. J'ai eu peur que ce soit la salle où ils étaient deux. Qui existe. Hein. Candle, c'est pratique, mais c'est toujours pas ce que je veux. Chariot. Prendre la clé. Bah du coup mon magasin j'ai rien eu quoi. Rien eu dans les magasins. Ça c'est triste. Il faut que j'aille chercher mon item room du coup. Ça par contre j'ai le droit. Aucun shop avec une machine de roll. Le premier seulement. J'ai moins besoin de péter les mendiants aussi. Peut-être que je devrais pas faire ça.
Il y a plus trop de pots à casser aussi, hein, à partir de cet étage. Là, les prochains pots, c'est en KT, mais c'est loin, la KT. Hein. Alors ça, c'est le meilleur moyen de me suicider, je pense. Donc je vais pas le prendre. C'est le meilleur moyen de prendre des coups sur mes propres bombes. Sacrum, ok. Ça, par contre, du coup, c'est une bonne nouvelle. Ah, mais je suis à D2. On va clean l'étage et j'irai prendre les coups de Sacrum après. Parce que là, je suis obligé d'aller au boss avant. Enfin, je suis obligé de faire la Sacrum avant le boss, pardon. Parce que le boss me laissera pas ressortir. Après, c'est pas la Runkeeper où t'as rien non plus. Heureusement. Mais j'avoue qu'un petit Godhead là, si la Sacrum pouvait lâcher un Godhead, je serais bien content. Pratique le vol. Ah ouais, quand t'as les ennemis qui te sautent dessus là, t'es bien content. En vrai, je pourrais faire la Sacrum maintenant tellement il y a de cœur. Non, tu comprends. Tellement il y a de pièces. J'arrive au bout de l'étage. Donc on va se faire ça. Enfin, c'est pas un mendiant, un restock, un truc là. Et puis le magasin devient pété. Hein. Bien content de voler quand même. Hein. Et bah, Wafer servait à rien. Donc de toute façon, Wafer c'était pas à prendre. Donc je vous laisse compter avec moi. Toutou. Une touche. Deux touches. Trois touches. Quatre touches. Cinq. Six. Je pense que je prends le senseur. Sept. Un orbital, c'est pas mal. Et ensuite, je m'arrête, par contre. Donc là, je peux ramasser les restes des pièces et me casser. Okay. Je veux pas, après cet objet-là, je veux pas toucher parce que ça va faire pop l'ange, donc je me fous. Finalement. On va faire comme ça. Prendre le reste. Éventuellement mettre des sous à la machine. Parce que de toute façon, j'ai rien d'autre à faire avec cet argent. Je vais pas acheter la candle. Hein. Je vais vraiment jouer safe. Je peux pas roll la clé. Ouais, la clé de l'ange me sert à rien. Toc. On est bon, on est d'accord. Hein. J'ai rien d'autre à faire là. J'ai pas trouvé ma super secrète à la limite. On peut pas être là. On peut pas être là. Ça sert à rien de laisser les pièces dehors comme je disais tout à l'heure parce que là, en revanche, cette fois, il n'y a pas de... Putain, mais con. Il n'y a pas de chance de ressortir du boss. Par contre, j'avais pas pensé que je pourrais me faire toucher par des conneries. Ça, j'avais pas pris en compte les feux rouges. Et compagnie. Alors, un maximum d'araignées et de mouches pour le maman, ça me va. Tout à l'heure, j'y suis allé serein. Là, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. Je vais y aller comme ça. Ok, j'ai un orbital pour maman aussi qui va prendre du coup assez cher. Que pour la face du pied. Hein, pour les. J'ai pas envie d'aller sur les yeux. Normalement, on peut, hein, ça se fait, mais là, j'ai pas envie de tenter ma chance. Polaroid on. Et on descend. Ok, bah on est à Womb et on a pas grand chose. J'ai du stuff, mais c'est pas extraordinaire. C'est cool, mais c'est pas extraordinaire. Ok, il y a une pièce qui tombe, donc on va ouvrir.
J'y vais que s'il y a une pièce qui s'ouvre. Hein. Alors là, on peut avoir un petit Steven. Attends, je vais tuer tranquille aussi, là. Oh putain. Moult argent, Devil. Je vais claquer juste pour la fin de la salle. Ah, le gris squelette là, il me mettrait tellement bien, j'aurais tellement de cœur. Trois tirs à 16 de tir rate, ça c'est cool par contre. On a eu deux tirs up là, on s'est mis plutôt bien. Le lockpick, c'est mieux que la store key puisque j'en ai plus besoin. On va laisser les pièces quand même. Hein. Non, je dis pas que je suis dans le mal, attention. Je dis juste que j'ai rien de safe. J'ai rien qui est safe. Ou genre pété. Ce qu'on aime quand même avoir dans ce genre de run. Ok. J'ai pas genre un Holy Mantle par exemple ou un truc. Putain. Okay. J'ai claqué ma justice. C'était une assurance vie mais j'avais trop peur. Fait chier. Fait chier d'avoir perdu l'assurance vie en vrai. J'avais trop peur de mourir. J'aurais dû claquer la chariote plutôt. Ça va vite avec Keeper, hein. Ça va très très vite. Hein. Là, c'est pas le problème d'être safe. Genre, si je prends une touche, je peux retourner me soigner. C'est pas ça le souci. C'est dans la même salle en fait. Hein. Dans une seule salle, tu peux juste te faire baiser. Hein. Surtout avec des amis qui se tapent. Hein. Putain! Pas de panique, une touche n'est qu'une touche. On peut se soigner, y a pas de souci. Pas de panique. Même si j'ai pas de pièces dans la salle, pas de panique. Je peux tenir le reste d'une salle. Ok. Le senseur, en vrai, c'est pas trop mal. Là, faut surtout jouer le spectral. Attention, caca rouge en entrant dans cette salle aussi. High Priestess, on va faire le boss tout de suite. On verra pour la sacrum d'après. Ah putain, matriarche. Chariot qui part trop tard, mais ça suffit. J'aurais pas mon deal, mais au moins je serais pas trop dans la merde. Alors, j'ai très envie d'une sacrum. Sauf que j'ai pas très envie de clear le reste d'étage. Qu'est-ce que je fais? Je peux aller en curse room par contre, ça c'est bon. Curse room, comme je vole, je peux y aller. Oh, il y est. Il y a une sacrum. Super. Ok. Une touche. Deux touches. J'ai peur des caca rouges en vrai, putain. Faire 5 et il y a tellement d'argent dans la challenge room que c'est pas un souci, on peut faire 5, 6 et 7. Une TP, 5, la TP. Non, je voulais la Bible, mais je veux pas trigger l'ange. Okay. Il y a la bombe de mort et pas d'objet pour finir. Ok, bon, j'aurais vu le reste des tâches, c'est cool. J'ai pas besoin de faire le reste. J'ai vu ce que je voulais voir.
Je voulais toucher la Bible, mais l'ange allait exploser. J'ai pas envie de faire l'ange à un cœur. Je préfère sortir direct. Ouf. Un peu chaud en vrai là. Les sacrums qui font bien plaisir, mais bon. Le T-Rate aussi, j'ai 9 de T-Rate en vrai, ça y est, là je me mets vraiment bien. Avec le 9 de T-Rate, je devrais vraiment pas avoir de soucis. Mais bon, c'est la théorie quoi. Sur un Isaac, t'as vite fait. J'ai un orbital aussi, donc je peux, si je veux tenter la strat orbital, je peux. J'ai encore claqué mon actif au mauvais moment. Tuons les mouches et les cacas là parce que ça, à mon avis, ça va bien me caser. Si je prends une touche. Moi, bon, je suis plutôt bien, ouais. Donc, soyons un peu sereins quand on peut être serein. Là, je suis plutôt bien. Des pots. Des pots. Pas t'inquiète. Des pots dans un étage. Incroyable mais vrai. Ok, mom c'est vu. Je pense que je vais direct faire mom. Attention au senseur quand même. Je vais me faire mom. Et il y a un deal qui devrait tomber. On va voir ce que c'est. Angel deal. Martyr, ouais. Bah, c'est pas mal en vrai. Martyr, c'est pas mal parce que ça me permet de réutiliser toujours mon objet. C'est pas con. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ma sac room? Je peux aller faire ma curse room, ça c'est une chose. Je pense que je vais tenter ma curse room. Oh. Ok, c'est bon, je commence à avoir la sécurité là. La sécurité arrive là. Avec le grid tears, je vais faire popper des pièces un peu partout dans les salles. Du coup, j'ai un peu moins besoin de faire la sac room, mais je vais quand même aller la chercher, je crois. Voir si je peux pas être vraiment pété. Là, je suis bien. Hein. Juste cette... Juste... C'est con, hein, mais juste une petite curse room, là, et ça peut te sauver une run. Hein. Après, voilà, ça va pas faire popper masse truc, mais ça suffira. Hein. On est en train de foutre un Womb 2 là. Je ne serai que serein au décès de Boo Baby, oui, c'est normal. Moi aussi. Moi aussi. Ok, ça c'est fait. On monte. On va chercher la KT. Je vais claquer la rune. S'il y a une Enzus, ça peut m'éviter des problèmes. Agalas, ça sert pas à grand chose. Ah oui, il y avait Algis qui était intéressant aussi, j'avoue. J'avoue. Il y a moult pièces. On pourra refaire une sac room. S'il y en a une. Merde, j'ai utilisé avant, c'est pas grave. Je suis vraiment plus serein là, je fais nimp, mais je suis beaucoup plus serein. Hierophant. Une bibliothèque ça? Ok. Bon, je suis pas contre un bookworm en vrai. Hein. Que je n'aurais pas. C'est pas grave. Ouf. Putain, là, le grid squelette, il serait tellement beau, quoi. J'aurais 99 pièces, j'aurais 12 000 cœurs, là. J'aurais 5 cœurs. C'est confort, hein. Mais bon, c'est un objet qui est quand même très rare. Hein. Attention à ces cons-là, là. Hein.
S'ils peuvent me spawner dans le cul, ça me ferait pas plaisir. Le homing peut être un peu chiant aussi, je joue bien loin. L'avantage c'est que j'ai une bonne range, bon tir rate, donc j'ai pas de soucis de tuer les ennemis à distance. C'est pas un problème dans cette run. Je pense que c'est une bonne runkeeper exemple en vrai. Genre t'es pas full pété, mais ça va. Genre je suis pas full pété, mais voilà, j'ai de quoi finir et j'ai un petit peu de survivabilité, mais pas non plus à l'infini. C'est un bon exemple de keeper, je pense. De quoi camélé? Oh là là, Bubuche, te jugerai. Des pots! Oh, j'ai peut-être raté des pots en vrai. Putain, est-ce que j'ai raté des pots? Dans ma hype absolue là, est-ce que j'ai raté des pots? Il y a bien que non. Si. Chaque pot, hein. Je vais bomber chaque pot. Hein. Peu importe. Chaque unique pot d'une pièce sera explosé. Il peut pas y avoir de pot dans la bibliothèque. Du coup, on va se casser. J'ai pas fait là. Depuis qu'il y a des émotes de classe, ça a changé. Le stream n'est plus le même. Donnez-moi les pots. Des petits pommes. C'est raté, hein. Il y a moult trucs là. Je me suis éloigné du chat. Ça, c'est la runkeeper, hein, par contre. Quoi? Oh, les bombes. Les bombes à l'infini. LOL. C'est vrai que The Tower combotte avec nos améliorations de bombes. Connard. Quel connard. Ah putain. Life's down, putain. Ça me faut un HP up. Faut un HP up le plus vite possible. Hein. Trop con surtout, pas trop confiant, trop con. Pourquoi j'ai fait ça là? Ah putain. Mettre les mouches pour lui là et je vais prier pour que le chest me lâche un HP up. J'ai le senseur donc où est-ce qu'il ça devrait aller. J'ai plus peur de ces cons là que de lui en fait. Je vous en supplie, j'ai 4 coffres. 4 coffres à ouvrir, un HP up s'il vous plaît. Que de la merde, putain.
Je vais pas prendre le cœur, enfin le générateur de pièces, on s'en fout puisque j'ai pas de pièces. Donc j'ai pris l'Undefined en espérant cette TP que j'ai eue. Qui peut m'emmener loin d'ici? Le boss est juste là. Non! J'ai peur, j'ai trop peur. J'ai peur. Putain, j'ai trop peur. J'ai trop peur là. Jamais ça le jeu. Putain! Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Putain, mais j'ai fait que de la merde. Mais non.